Shalom, 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 shalom. Shalom, le bien-aimé dans le Seigneur. Je suis votre serviteur, pasteur Kofi Kwadio Jean-Baptiste. Ce matin, je vais vous donner un enseignement sur Soukot. Mais le thème de mon enseignement ce matin, c'est Fête de Soukot, Fête de l'Éternel. Pourquoi devons-nous célébrer les fêtes de l'Éternel? Pourquoi devons-nous célébrer les fêtes de l'Éternel? Je vais donner les raisons, des raisons principales pour lesquelles nous, en tant que Goyim, accepter Yeshua, ces fêtes nous concernent. Puisque dans ces fêtes, on parle beaucoup des enfants d'Israël, les enfants d'Israël. En quoi cela nous intéresse? En quoi cela nous adresse directement? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Donc, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, Mispara Belgique, Mispara en France, Mispara Italie, Mispara île de la Réunion, Mispara Madagascar, que Hachem vous bénisse, Rak Samea Soukot. Bien-aimés, les fêtes de l'Éternel sont célébrées en leur temps fixé. Et ça, on peut voir ça dans le livre de Lévitique, chapitre 23, le verset 1 à 4, pour vous dire comment les fêtes sont organisées et données par Adonai. Nous allons lire Lévitique 23, le verset 1 à 4. Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, les temps prescrits d'Adonai pour lesquels vous proclamerez les saintes convocations sont mes temps prescrits. C'est le temps de Dieu qui a prescrit. Dieu a prescrit ça selon lui son temps. Verset 3, vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour sera un Shabbat de repos complet, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Ce sera un Shabbat en l'honneur d'Adonai, même dans vos maisons. Le verset 4. Ce sont là les temps prescrits d'Adonai, les saintes convocations que vous annoncerez au temps prescrit. Dans d'autres versions, on dit au temps fixé. Donc, voilà les raisons de célébration des fêtes de l'Éternel dans son ensemble. Première fête de l'Éternel, c'est le Shabbat. Le Shabbat est célébré en son temps fixé, c'est-à-dire entre les 2 soirs, à chaque vendredi, le 6e jour de la semaine, selon Adonai lui-même, selon Adonai qui a prescrit cela dans la Torah. C'est le 6e jour de la semaine, c'est vendredi. Ce n'est pas samedi qui est 6e jour, comme les autres nous ont fait entendre. Sinon, c'est le vendredi soir. Et au lendemain, samedi soir, cela fait le Shabbat. Alors, Soukot est une fête de reconnaissance, selon Lévitique 23, verset 43. Il a demandé au peuple d'Israël de rester dans les tentes pendant 7 jours pour se rappeler qu'il les a fait habiter dans les tentes dans le désert, les ancêtres. C'est pourquoi dans cette fête, Adonai demande à son peuple d'apporter des offrandes de reconnaissance. Verset 38, il demande qu'il apporte des offrandes pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour eux durant tout ce temps de la marche dans le désert. Donc, nous allons voir les raisons pour lesquelles nous devons célébrer les fêtes de l'Éternel. Nous, les Goyim, je peux dire nous, les païens, accepter Yeshua, pourquoi nous devons célébrer les fêtes de l'Éternel, en commençant par le Shabbat. Et donc, quand nous faisons les fêtes de l'Éternel, les autres frères, bien sûr, hein, les autres frères nous disent que non, nous on est perdus, on est dans l'ancien temps, on est sous la loi. Bien aimé, on parlera tout cela ce matin.
Donc, on voit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, donc, l'apôtre Saoul parle aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 14. J'ai lu la parole de Dieu. Car c'est par la grâce que vous avez été libérés. Dans d'autres versions, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ceci ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu, moyen de la foi. Pour ne pas dire que c'est parce que nous, on a la foi que nous sommes sauvés. C'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous a fait ce don de croire en Yeshua. Et cela ne veut pas dire que nous sommes plus forts, ou bien alors nous méritions ce salut. Non, on ne mérite pas, c'est la grâce que Dieu nous a faite. C'est nous l'égoïsme. Mais comment cela s'est passé? Ça s'est passé comment? De manière physique, je prends un exemple. Un exemple, si un père qui a ses enfants dans sa maison et qui veut recevoir d'autres personnes dans sa maison, et les enfants sont tous assis et que les autres viennent d'arriver, qui veut les recevoir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait lever ses enfants, puisque les chaises ne sont pas beaucoup, place. Il fait lever ses enfants et puis nous, on s'assoit. Alors, c'est ce que Elohim a fait. C'est là que nous allons voir cela dans l'île des Romains, où Paul parle de greffage. Pour dire que nous sommes greffés à l'olivier franc. Et cet olivier franc sur lequel nous sommes greffés, ce n'était pas que Adonai a enlevé toutes les branches sur l'olivier. Non, il a retranché quelques branches. À la place de ces quelques branches, nous sommes greffés. Ce n'est pas que les branches qu'il a enlevées, il les a jetées. Non, il ne les a pas jetées. Il les a mis de côté pour un temps, pour permettre au maximum des païens de se donner en Yeshua, de se donner pour le royaume des cieux. Ce n'est pas qu'il a rejeté son peuple. Jamais. Dieu n'a jamais rejeté Israël et il ne rejettera jamais Israël. Israël est son premier-né. Israël est son premier-né. Israël est son fils, comme il a dit à Moshe, que Moshe, qui va le dire à Pharaon, laissez partir mon premier-né, mon fils, mon premier-né, Israël, pour aller m'adorer. Alors, Dieu n'a jamais rejeté son peuple, même dans les temps anciens comme les temps nouveaux dans lesquels nous sommes. Israël demeure le premier fils d'Adonai parmi les humains. Alléluia. Alors, bien-aimé, je continue la lecture au verset 9. Vous n'avez pas été libérés par vos propres œuvres. Ce n'est pas parce que nous gênons beaucoup que nous sommes libérés. Ou alors parce que j'ai fait un effort de donner ma vie à Jésus ou à Yeshua, parce que les païens disent Jésus, mais ce n'est pas son nom non plus. C'est un surnom qu'on lui a donné en disant Jésus. Sinon, son vrai nom auquel l'ange a parlé à Myriam, c'est Yeshua. Alors, il a annoncé à Yosef, le fiancé de Myriam, pour dire que l'enfant qui naîtra de ta fiancée sera appelé Yeshua. Alléluia. Celui qui va sauver son peuple. Alors, donc, il n'est pas parlé en grec, ni en français, mais il a parlé en hébreu. Donc, cela veut dire qu'il a son nom hébreu. Son nom hébreu, c'est Yeshua HaMashiach. Ce n'est ni Jésus-Christ, ni Messie. Il parle de Yeshua, il parle de Mashiach. Mashiach, celui qui est oint pour sauver son peuple. Amen. Donc, ce n'est pas par nos propres œuvres. Ou alors nous faisons beaucoup d'offrandes, ou alors nous gênons beaucoup, ou alors nous partons chaque fois au temple que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. C'est la grâce que Adonai nous a faite. Amen. Donc, à côté de cela, nous allons voir encore le verset 12. Le verset 12 nous dit que rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois, vous les païens, de naissance, appelés incirconcis par ceux qui, à cause d'une opération pratique dans la chair, sont appelés circoncis, c'est-à-dire Israël. Nous étions autrefois appelés incirconcis. Nous étions éloignés, on verra cela au verset 13. Nous étions éloignés de l'alliance. Nous étions éloignés des promesses. Nous étions éloignés des cultes. Nous ne connaissons pas. Nos ancêtres faisaient des cultes, des idoles, des fétiches, des démons.
Mais c'est par la grâce que toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés par le sang d'un juif qui s'appelait Yeshua Mashiach. C'est un juif, c'est vrai, il est le premier, il est le fils de Dieu, il est le fils unique de Dieu, mais il est né juif. Il est né juif, il a grandi, son sang a été développé par les juifs, parce qu'il s'est nourri de la nourriture des juifs. Il a suivi la Torah. Yeshua a suivi la Torah. Yeshua lui-même, il est la Torah, qu'on appelle la Torah vivante. Yeshua n'est pas inscrit la Torah. Yeshua n'est pas inscrit aucune lettre de la Torah. Il les a gardés tous. Mais d'où viennent ces pratiques aujourd'hui que nous faisons nous-mêmes? Bien-aimés, réfléchissons et revenons à la Torah. Revenons à la Torah. Mais aujourd'hui, vous qui étiez autrefois éloignés, nous étions autrefois éloignés. Vous qui étiez autrefois éloignés, le verset 13, vous avez été rapprochés par le sang du Messie qui a été versé. Donc, nous étions autrefois éloignés, mais par le sang de Yeshua HaMashiach, nous sommes maintenant rapprochés. Rapprochés de qui? Rapprochés de cet olivier franc, rapprochés de la maison d'Israël. Car c'est lui, notre Salom, lui qui était deux dans faire qu'un. En abattant la Messisat qui nous divise, c'est-à-dire le mur qui nous divise, Yeshua a détruit cette mur pour que nous soyons proches de son peuple, pour que désormais nous soyons appelés peuple de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes maintenant greffé parmi les branches. Nous ne sommes pas greffés sur l'olivier franc qui n'a plus de branches, mais nous sommes greffés sur l'olivier franc qui avait déjà des branches. Et que Elohim, par sa miséricorde, sa bonté, sa sévérité, il a séparé, il a enlevé quelques branches et celui qui a endurci leur cœur, selon que Isaïe l'a dit, le prophète Isaïe. Il a dit qu'ils vont lire, mais ils ne vont pas comprendre. Il va endurcir leur cœur. C'est Elohim qui a fait que leur cœur était endurci. Ils sont devenus incrédules. Ce n'est pas devenu d'eux-mêmes. De la manière que toi aussi, qui as été sauvé, ce n'est pas venu de toi-même. C'est un don que Dieu t'a fait. Amen. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'argent et un coup, quelqu'un lui donne de l'argent. Il lui donne au moins 1 milliard d'euros ou bien 1 million d'euros ou 1 milliard d'euros. Il devient millionnaire en même temps. C'est un don qu'il lui a fait. Il n'a pas fourni un effort. Il n'a fait aucun effort pour avoir ces millions. On lui a fait un don. Donc, toi et moi, c'est comme ça que Dieu nous a fait un don en nous donnant Yeshua comme Seigneur et Sauveur par sa parole. Aucun païen n'a vu Jésus, Yeshua en face. C'est sa parole qui est venue à nous, comme il est écrit en Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les sauver. Et il les fait fuir, il les fait échapper de la fosse. Donc nous étions en train de partir à la fosse, c'est-à-dire au tombeau, à la mort. Dieu nous a donné son fils unique, Yeshua, pour nous racheter. C'est un don. Cela ne nous donne pas tout pouvoir, cela ne nous donne pas pouvoir de faire ce que nous voulons. Mais nous devons faire ce que Elohim veut. Malheureusement, c'est ce que nous ne faisons pas. Bien-aimés, revenons à la parole. Revenons à la Torah. Alléluia. Parce que les fêtes de l'Éternel sont des alliances. Et la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous célébrons ces fêtes, c'est parce que Yeshua HaMashiach nous a rachetés de la mort à la vie, de la malédiction générationnelle à la bénédiction générationnelle qui est liée à Abraham, notre père. Et aujourd'hui, nous sommes greffés à cet olivier. On verra cela tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, on va lire Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, allons doucement, doucement, on va comprendre. Nous sommes liés à Israël. Et je dirais cela pourquoi. On est liés à Israël, donc ce qu'Israël fait, nous devons le faire. On va aller pas à pas. On ne va pas lire tous les passages. Chapitre 1,
de Romains 11. Ma question est donc la suivante. Dieu aurait-il répudié son peuple? C'est-à-dire dans d'autres versions, plus second, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Apôtre dit, le ciel nous en garde. Et l'autre version dit, loin de là. C'est-à-dire que non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il va parler. Car je suis moi-même un fils d'Israël. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est les écrits de Paul que toutes les églises du monde entier s'appuient dessus pour faire les doctrines. Alors, de la semence, je suis même un fils d'Israël de la semence d'Abraham, c'est-à-dire la postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. Voilà, de la tribu de Benjamin. Pas de Benjamin, c'est Benjamin. Alléluia. Il faut comprendre les Écritures. Reviens à la Torah, à la racine, pour avoir les vrais mots des noms. Pas Benjamin, c'est Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Elohim n'a pas rejeté Israël. Elohim n'a pas rejeté son peuple. Si Elohim a rejeté son peuple, d'où toi tu viens? Parce que Yeshua est juif. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il n'a pas remplacé son peuple par un autre peuple. Jamais. Dieu n'a pas fait ça. Même en notre temps, Elohim combat toujours pour Israël. Alléluia. Dans notre temps, Elohim combat toujours pour Israël. Donc, on va lire encore le verset 16 au verset 19. Or, si le challah, c'est-à-dire le pain, qui a été offert comme prémisse est sainte, vous, tout le pain l'est aussi. Si le prémisse est saint, tout le reste est saint. Amen. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Les racines, c'est quoi? C'est la maison d'Israël. La maison d'Israël, Yeshua HaMashiach est saint. Yeshua HaMashiach est la racine. Et Yeshua HaMashiach étant juif et racine du salut des hommes, alors toutes les branches qui sont greffées à Israël sont saintes. Les branches qui étaient sur cet olivier franc est sainte. Et nous sommes greffés sur certaines places des oliviers. Mais sur certaines places des oliviers, c'était les juifs. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des Romains que Dieu a enlevé sur l'olivier franc. C'était Israël. Mais il n'a pas rejeté Israël. Il l'a mis de côté. Et même la Torah nous nourrir, c'est la même Torah qui nourrit également eux. C'est un miracle. C'est ça qu'on appelle miracle. Maintenant, nous allons continuer le verset 17. Toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches. Alors que quelques-unes d'entre elles ont été cachées. Ainsi, tu es devenu coparticipant de la racine généreuse de l'olivier. Alors, ne te vantez pas en te considérant meilleur que les branches. Voilà, mon frère. Nous, les chrétiens en général, se glorifient comme s'ils ont remplacé Israël, ils ont connu Jésus, on a Jésus, on a tout, nous on s'en fout d'Israël, qui est Israël? Israël était un idolâtre, Israël était ceci. Non, on ne doit pas les insulter. Nous devons craindre, on ne doit pas se glorifier non plus. Parce que c'est quelques branches qui étaient retranchées pour mettre de côté pour que toi tu sois greffé. Tu sois greffé, mais pas à leur place, mais greffé parmi les oliviers, parmi les branches. Et ceux qui sont mis de côté, leurs noms inscrits au ciel, dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Leurs noms sont inscrits sur les 12 portes. Chaque porte porte le nom des fils d'Israël.
Alléluia. Donc nous sommes greffés parmi les branches. Quelques-uns d'entre eux sont mis à côté, ainsi tu es devenu coparticipant de la racine généreuse de l'olivier. Alors, ne te vantez pas. Bien-aimé, Paul nous dit de ne pas nous glorifier. Même si nous avons connu Yeshua comme Seigneur et Sauveur, on ne doit pas se glorifier. Amen. C'est parmi les branches. Mais il dit encore même que nous n'avons pas de même espèce qu'Israël. Nous étions de l'olivier sauvage. Normalement, on ne peut pas nous greffer à l'olivier franc. Ça ne prend pas. Mais par miracle et l'amour, la bonté du Seigneur, comme il est le Dieu des miracles, il a fait en nous greffant parmi les branches de l'olivier franc, en arrosant cela avec le sang de Yeshua, pour que nous soyons hantés, c'est-à-dire que nous soyons greffés pour porter le fruit, même fruit que les branches parmi lesquelles nous sommes greffés. On doit porter les mêmes fruits. En faisant quoi? En obéissant la Torah, la parole de Dieu. En célébrant, en observant le Shabbat de l'Éternel. Parce que son peuple, au milieu duquel nous sommes greffés, célèbre, observe le Shabbat. Il ne observe pas les fêtes païennes, telles que 1er janvier, 31 décembre. Ils ne font pas ça. Parce que ce n'est pas écrit dans la Torah, ni dans l'ensemble du Tanakh. C'est-à-dire Tanar en hébreu, c'est Tanar en français Bible. Ce n'est pas écrit dedans comme ça. Il n'y a pas de fête païenne qui est écrite dans la Bible que nous devons célébrer. Sinon que les fêtes qu'Israël a observées d'eux-mêmes pour la reconnaissance des miracles que Dieu a opérés dans leur vie, qu'ils célèbrent, il y en a deux que nous connaissons dans la Bible. Il y a Hanouka et il y a aussi la fête de Purim. Parce que Dieu a opéré des grands miracles dans leur vie à l'époque. Pour reconnaître cela, ils ont institué cette fête-là pour faire connaître, pour la reconnaissance de dire merci au Seigneur. Ces deux fêtes. À part de ces deux fêtes, il n'y a plus d'autres fêtes encore qu'on peut voir dans la Bible, dans les Tanakhs. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais les huit autres fêtes sont instituées par Elohim lui-même que nous devons célébrer en tant que son peuple. Bien-aimé, si tu n'observes pas ces fêtes de l'Éternel, et que tu célèbres les fêtes païennes, c'est comme si tu es en train d'adorer le veau d'or. Ce n'est pas normal. Nous devons célébrer les fêtes de l'Éternel, car nous sommes greffés parmi les branches de l'olivier franc. Alors, bien-aimé, je vais donner un exemple. Tu as planté une mangue. Tu as pris le noyau d'une mangue pour planter dans ton jardin à la maison. Et la mangue a poussé et il a donné un arbre. Et cet arbre qu'elle a donné plutôt, qu'on appelle manguier, est dans ta cour, au jardin, dans la maison. Maintenant, tu as décidé de greffer dans ces oliviers-là, sur cette manguier-là, une branche d'un autre arbre. Soit, par exemple, avocatier, tu prends une branche d'avocatier pour venir greffer là-dessus. Et que maintenant, la branche que tu viens de greffer sur le manguier, elle commence à donner le fruit avocat, le fruit de l'avocat, avocatier. Est-ce que la greffe a prise ou elle n'est pas prise? Est-ce que tu seras content? Est-ce que c'est le résultat que tu attends? Tu as greffé, je reprends encore, tu as pris une branche de avocatier pour venir greffer sur manguier. Et le manguier, c'est le manguier qui est la racine. Et le tronc de manguier est manguier. Et maintenant, quand tu as coupé quelques branches du côté pour brancher, pour greffer l'avocatier sur le manguier, et quand la greffe a pris et que la branche de avocatier qui a été greffée va se transformer à une branche de manguier, et non, la branche va rester toujours avocatier. Non, ça ne restera pas avocatier, ça se transforme à un manguier, à une branche de manguier. Maintenant, quand elle va donner les fruits avec les autres branches, elle va donner les mêmes fruits que les autres branches qu'elle a trouvées sur le manguier. Et ça va donner le fruit mangue. Et quand tu vas manger cette mangue-là, tu vas sentir quelques goûts
d'avocat, mais ce n'est pas avocat, c'est une mangue. C'est ainsi, nous, les païens. Nous, les païens, on a accepté Yeshua, mais on a nos habitudes à nous, qui ne fait pas de nous d'une manière radicale juif. Ce qui fait que Elohim nous tolère, c'est ce qu'on appelle grâce. Parce que même quand on trouve le goût d'avocat dans la mangue sur laquelle ça a été greffé, on ne jette pas le fruit. Parce qu'il y a un peu de goût, il y a un peu d'odeur d'avocat dans le fruit du manguier. Parce que c'est la racine du manguier qui nourrit la branche de l'avocatier. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on ne le rejette pas. Alors, Elohim ne nous rejette pas parce que nous sommes en quelque sorte nos pratiques. Nous avons nos pratiques que nous faisons, que Adonai tolère. Et que si Israël fait la même chose, ça ne sera pas toléré. Voilà pourquoi on peut trouver quelques pratiques dans le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël qu'on ne trouve pas chez nous, les messianiques goyim. Non. Mais cependant, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Ça veut dire quoi? Si la branche de l'avocatier continue de donner les avocats sur la racine des manguiers, il y a un problème. Donc, le propriétaire des manguiers va dire non, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Non, ce n'est pas la peine. Il va recouper encore la branche et puis regreffer encore la racine, les branches de la racine franc. C'est ce que Elohim va faire dans les temps à venir. Parce que l'Église refuse de porter les fruits de l'olivier franc. L'Église continue de produire les fruits goyim, les fruits des païens, les fruits, les fêtes de l'Éternel, qui ont commencé, ils ont institué leurs jours à eux-mêmes, auxquels ils adorent l'Éternel, et ce qui n'est pas permis par Adonai. Adonai n'est pas autorisé que nous faisons nos cultes dimanche, ou alors célébrer les fêtes de l'Éternel, les fêtes païennes, telles que la Pâque, qui se tombe toujours dimanche. Pas possible. Et la Pâque, on ne célèbre pas ça matin. C'est le soir, entre les deux soirs, comme dit la Torah. Mais si on s'élève un dimanche matin pour aller s'asseoir dans le temple, aujourd'hui c'est la Pâque. Oh, et puis on descend, on vient à la maison. Ce n'est pas la Pâque de l'Éternel, c'est la Pâque des hommes. Alléluia. Soyons honnêtes. Acceptons de rentrer dans cette alliance qu'Adonai a donnée à son peuple au milieu duquel nous sommes greffés. Ça ne sera pas du tout facile, mais nous devons persévérer. Et si nous persévérons, nous allons remporter la victoire. Bien-aimé, toi tu m'écoutes, ou toi tu vas m'écouter, ou écouter cette vidéo, j'aimerais que tu prennes courage. Renoncez le veau d'or. Renoncez la tradition des hommes. Comme Yeshua lui-même, il a dit. Vous rejetez la tradition, vous rejetez la parole de Dieu et vous mettez de côté la parole de Dieu et vous pratiquez la tradition des hommes. Nous ne devons pas faire cela. Alléluia. Donc, quand nous lisons Apocalypse, les livres d'Apocalypse, les peuples d'Israël qui sont ceux-là, on doit les respecter, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils sont devenus, on doit les respecter à cause de ce que Dieu les avait choisi depuis longtemps, depuis Abraham. Lisons Apocalypse 21, versets 10 à 14. Apocalypse 21, verset 10 à 14. Il me transporta en esprit au sommet d'une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Yerushalayim, descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Verset 11. Elle avait la Shekinah de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, resplendissait comme un joyau inestimable, comme un diamant
à l'éclat cristalline. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes. Aux portes se tenaient 12 anges. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Vous voyez le verset 12. Sur les 12 portes se tenaient 12 anges, se tenaient des anges, se tenaient 12 anges. Les 12 anges et sur ces portes inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Les noms des 12 tribus d'Israël. Quand on parle de 12 tribus d'Israël, on parle des 12 fils de Jacob. Leur nom est inscrit là-bas. Et c'est parmi ces 12-là qui représentent les branches de l'olivier franc. Et parmi ces 12, Elohim a enlevé le maximum de ces branches pour laisser quelques-unes des branches qu'on appelle les faibles restes selon Isaïe 1, verset 9. Les faibles restes, on est greffé parmi les faibles restes. Et cela ne fait pas de nous automatiquement des remplaçants d'Israël, mais on est parmi eux. Et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, leur nom demeure encore dans cette ville sainte qui descendra du ciel, qu'on appelle Yerushalayim. Donc, toi et moi, on doit être greffé ou attaché à l'un des Juifs. C'est quoi il est écrit dans la Torah, dans les Névim, qu'ils viendront saisir la robe pour dire que je reconnais que votre Dieu est le vrai Dieu. C'est Israël. Il y avait 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud et 3 portes à l'ouest. La muraille de la ville était construite sur 12 pierres de fondation et sur lesquelles étaient inscrits les 12 noms des 12 émissaires, c'est-à-dire les 12 apôtres de l'agneau. Donc, encore plus, les 12 apôtres, c'est-à-dire les 12 disciples de Yeshua, leur nom est inscrit sur chaque fondation de cette ville au ciel. On n'a pas écrit le nom de quelqu'un d'autre, ni de Constantin, ni de Grégoire là-bas, ni aucun pape, ni aucun archbishop. Non, c'est le nom d'Israël, peuple d'Israël. Pourquoi nous aurons accès? Parce que nous sommes greffés à l'olivier franc, au milieu des branches, de leurs propres branches, sur leurs propres racines. C'est leurs propres racines, leurs propres oliviers. C'est sur lesquels que Dieu, Elohim, nous a greffés par le sang, par le sacrifice de Yeshua à la croix. Nous ne devons pas nous glorifier, mais nous devons craindre. Nous devons craindre, bien-aimés. On doit craindre. On ne doit pas se glorifier parce que je connais Jésus, je suis pasteur, je suis archbishop, je suis évêque, je suis ceci. Non. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles et obéissons à ce Dieu. Ce livre de Romains nous montre notre identité avant de connaître Yeshua. Notre identité avant de connaître Yeshua, nous étions des oliviers sauvages. Pour bien choquer mes auditeurs, nous étions des hommes sauvages. Nous n'avons pas Dieu. On ne connaît pas celui qu'on appelle Dieu. Non, on n'a pas ça. On ne connaît pas Dieu. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Nous étions sans Dieu, éloignés. Éloignés des promesses. Éloignés des alliances qui garantissent les promesses. On peut relire Éphésiens 2. On peut relire Éphésiens 2 pour mieux comprendre. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Alléluia. Nous étions éloignés autrefois, éloignés. Alléluia. Voilà, le verset 12. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, c'est-à-dire sans Machia. Vous étiez séparés de la vie de la nation d'Israël.
Vous étiez étrangers aux alliances qui garantissaient la promesse de Dieu. Vous étiez dans ces temps sans espérance et sans Dieu. Voilà ce que nous étions avant. C'est notre nature qui est là avant. Mais c'est par la grâce, la bonté de l'Éternel qui nous a rachetés. Par le sang de Yeshua HaMashiach, le Juif. Afin que nous puissions avoir l'assurance, c'est-à-dire que la garantie des promesses de l'Éternel qui se dit, tu seras la tête et non la queue. Si l'homme-femme ne complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toutes ces promesses-là étaient pour Israël, l'olivier franc. Les branches de l'olivier franc. Mais maintenant, pour que nous puissions bénéficier de ces promesses-là, il faut que nous rentrons dans l'alliance. Nous, le Goïm, la première alliance qui nous a été présentée, c'est le sang de Yeshua. Après que nous avons reçu le sang de Yeshua pour être greffé, nous devons maintenant rentrer dans l'alliance toraïque, qui est le Shabbat, le fait de l'Éternel. Pour que nous bénéficions de ces promesses. Alors, si nous n'avons pas accepté de rentrer dans ces alliances, qu'est-ce qui nous garantit? Rien du tout. Le sang de Yeshua nous a sauvés du péché générationnel, le péché adamique, auquel nous n'avons pas droit de la cité de Yerushalayim, d'Israël. Et maintenant, nous sommes sauvés par le sang de Yeshua qui nous donne maintenant accès à l'olivier franc. Maintenant que nous sommes greffés à l'olivier franc, l'œuvre est accomplie que nous portons des fruits de cet olivier franc. Et les fruits de cet olivier franc, c'est les fêtes de l'Éternel que je vais parler ce matin. Le fait de l'Éternel, le Shabbat, le Pessah. Pessah fait partie des fêtes de l'Éternel. Et la fête de Pessah, ça ne se célèbre pas un matin. Ça se célèbre entre les deux soirs, selon la Torah. Et toutes les fêtes de l'Éternel se célèbrent entre les deux soirs. Le Shabbat, c'est entre les deux soirs, vendredi soir au samedi soir. La fête de l'Éternel, chaque fête de l'Éternel qui tombe dans un jour ordinaire, ce jour ordinaire est déclaré Shabbat. Chaque fête de l'Éternel. Donc, on appelle ce Shabbat-là le Shabbat Gadol, c'est-à-dire le grand Shabbat, qui vient une fois dans l'année. Ça ne vient pas chaque semaine. Ce qui vient chaque semaine, c'est le Shabbat hebdomadaire qui vient chaque vendredi de la semaine. Alléluia. Alors, si tu n'arrives pas à observer le Shabbat, que tu observes les autres fêtes de l'Éternel, tu n'es pas dans l'alliance. Parce que c'est le Shabbat qui couronne tout. Le Shabbat est là, est au sommet. Et les autres fêtes suivent. Alléluia. Amen. Et les fêtes sont célébrées en leur temps fixé. Si quelqu'un sort de ce temps fixé pour célébrer les fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire que la Pâque dans le mois de juin ou dans le mois de décembre, il n'est pas dans l'alliance, il n'est pas dans les normes parce qu'il a désobéi la date que Elohim a donnée. Là aussi, c'est un péché. On appelle ça abomination, profanation. Et même, je vois un groupe qui dit non, nous on fait le culte des résurrections. Ça ne se fait pas, ça n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans le Tanakh ni dans le Torah, on fait le culte des résurrections. Ça n'existait pas. Et si cela existe, cela se fait au moment de la Pâque, Pessah. En célébrant Pessah, on célèbre la fête des le jour de la résurrection de Yeshua. Pessah, une fois dans l'année, c'est fini. Tous les autres jours, on célèbre le Shabbat chaque semaine, du vendredi soir au samedi soir, mon bien-aimé. La résurrection de Yeshua, ça se célèbre une fois dans l'année, c'est le jour de Pessah. Pour commémorer la résurrection de notre Seigneur, sauveur Yeshua HaMashiach. Donc, les fêtes de l'Éternel sont très importantes dans la vie des enfants de Dieu, ce qu'on appelle chrétiens, sinon les disciples de Yeshua.
Quand Yeshua n'est pas dit allez faire des chrétiens, il dit allez faire des disciples, allez faire des talmidim dans toutes les nations. Il n'est pas dit allez faire des chrétiens. C'est parce qu'on est chrétien qu'on est, on est rebelle. Parce qu'aucun homme ne peut être comme Messie. Aucun homme ne peut être comme Yeshua. Jamais. Il est unique. Et il demeure unique. Alléluia. Qu'Hachem vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On va continuer notre enseignement. Il a dit, encore Yeshua lui-même, que nous allons voir cela dans les livres de... il a dit que vous changez, voilà, dans les livres de Marc, chapitre 7. Marc 7, verset 5 à 9. Marc, chapitre 7, verset 9. Marc 7, verset 5 à 9. Marc 7, verset 5 à 9. Marc 7, verset 5 à 9. Les Pérusim et les enseignants de la Torah lui demandèrent pourquoi tes talmidim ne vivaient-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Yeshua leur répondit, hypocrite, Yeshayahu avait raison quand il prophétisait à votre sujet, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils m'endorment en vain, car ils enseignent des préceptes humains. Ils enseignent les préceptes humains comme s'ils étaient des doctrines. Comme s'ils étaient des doctrines. Les préceptes humains, ce sont des enseignements humains. Comme on peut dire aujourd'hui, on décrète un jeûne de 30 jours, un jeûne de 20 jours, un jeûne de 40 jours, une semaine spirituelle, tant. Ça, c'est les hommes même qui font ça. Mais ce n'est pas Elohim qui a dit de faire ça. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les préceptes humains qui étaient des doctrines, comme des doctrines. Verset 8. Vous mettez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. En effet, leur dit-il, vous êtes devenus très habiles à détourner les commandements de Dieu afin de garder vos traditions. Bien-aimés, voilà ce que nous, les chrétiens, on fait, les chrétiens font. Les chrétiens, on met de côté les commandements de Dieu. Et ils ont fait leurs propres commandements. Ils ont établi leur propre jour d'adoration, qui est le dimanche. Ils ont mis en place leur propre fête, qui est le 31 décembre. Ils ont programmé leur propre fête de délibération, qui est la Pâque qui tombe toujours dimanche. Et avec S à la fin. Pâque avec S à la fin. Et puis, encore le jour étant toujours dimanche, et c'est le matin, on se lève pour aller célébrer ça, et puis on vient s'asseoir à la maison. Et ce n'est pas selon le temps de Dieu. Ce n'est pas selon ce que Elohim a écrit dans la Torah. Elohim a dit que ce jour-ci sera le premier, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous célébrerez la Pâque, le Pessah. Vous célébrerez le Pessah entre les deux soirs. C'est ce que Elohim a écrit dans la Torah, mon bien-aimé. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour ça. Prends ta Bible, ça est dedans. Ça est dans la Bible que vous avez dans votre main. Mais pourquoi vous ne voulez pas obéir à la parole d'Elohim? Les hommes se sont assis, je ne sais pas où, je ne sais où, pour programmer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le dimanche qui sera le premier jour, c'est le dimanche qui sera le jour d'adoration. C'est ce que j'ai fait, comme l'autre fois, l'enregistrement que j'ai fait pour parler de veau d'or. Pourquoi nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu? À qui on a problème? On a affaire à qui? Pourquoi c'est Israël qu'on n'aime pas parce qu'Israël fait ça ou bien c'est qui? Mais quand on se lève un matin pour dire on s'en va au pèlerinage en Israël, on s'en va apprendre quoi?
Tu t'en vas au pèlerinage là. Qu'est-ce que tu apprends là-bas, en Israël là-bas? Quand vous partez là, sur le mur de lamentation, à ma connaissance là, vous portez la kippa. La kippa, c'est ça là. Vous portez la kippa. Et quand vous revenez ici dans vos pays goyim, vous ne portez plus. Vous dites que non, cela ne fait pas de moi Israël. Mais c'est faux. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes ignorant ou bien vous faites exprès. On dit, la Bible dit qu'on est greffé à l'olivier franc. Si on est greffé parmi les oliviers, parce que voici les troncs, voici les branches. Et quelques branches ont été mises comme ça de côté pour que toi et moi, on soit greffés parmi les faibles restes. Donc maintenant, les branches qui sont restées là, c'est l'Israël. Et que nous, Israël qui avait accepté Yeshua, qu'on les appelle les messianiques. Et que eux, ils portent les fruits de cet olivier auquel ils sont greffés. Et que nous sommes greffés là. Nous aussi, on doit porter les mêmes fruits que les deux autres branches. Mais pourquoi on refuse de porter ces fruits-là? À savoir si la greffe a prise. À ma connaissance, la greffe n'est pas prise. Si la greffe avait prise, vous, frères et sœurs chrétiens, allez célébrer le fait de l'Éternel en commençant par le Shabbat. Comme la greffe n'est pas prise, voilà pourquoi vous continuez de porter les fruits des païens. Et cela peut vous condamner, mes chers frères. Je n'ai pas en train de vous porter jugement, mais l'apôtre dit, celui que vous prenez comme modèle dans la Bible, a dit que nous n'avons pas à juger ceux du dehors. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ne connaissent pas Yeshua. Je suis en train de parler de ceux qui se disent chrétiens. Pour dire que vous avez des fêtes que vous devrez célébrer en leur temps fixé. Il s'agit de Pessah qui se célèbre entre le 2 soir, le 14e jour du mois de Nissan. Et le mois de Nissan est situé entre mars et avril, selon le calendrier grégorien. Mais ça ne se situe pas entre juin et juillet. Et ce n'est pas seulement matin. C'est entre le 2 soir. Alléluia. Et après ça, il y a aussi d'autres fêtes qu'on appelle Sabbat. Le Sabbat a été institué depuis la création, selon Bereshit chapitre 2, versets 1 à 2, à 3, pardon. Il dit, ainsi fit achever le ciel et la terre. Et Elohim s'est reposé le septième jour de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il a sanctifié le jour, c'est-à-dire il a mis le jour à part, ce jour-là, il a mis ça à part pour lui-même. Pour l'honorer, en célébrant, en observant le Shabbat, c'est se souvenir la création et le Créateur. Pour dire, voilà ce que le Créateur a fait. Mais nous avons laissé ça pour suivre la tradition des hommes. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Le dimanche que vous observez là, c'est les hommes qui ont institué ça, ce n'est pas Dieu. Même si l'apôtre Paul a pris le céder le premier jour de la semaine, cela ne fait pas ce jour-là le jour du Seigneur, le jour saint de l'Éternel. Cela ne remplace pas le Shabbat. Ça ne peut pas remplacer le Shabbat. Comme hier, par exemple. Regardez hier. Hier, par exemple, on a fait Soukot le jour de dimanche. Pourquoi? Parce que Soukot est tombé le jour de dimanche. Donc, on observe. Alléluia. Donc, on l'observe. On l'observe. On observe le Shabbat. Mais on a observé Soukot, mais on n'a pas observé dimanche. Donc, l'apôtre Paul a donné un discours qui est rentré jusqu'à le jour du dimanche. Et cela ne fait pas ce jour-là comme le jour d'adoration. Et quelqu'un va dire encore, oui, puisque vous savez, la Bible que nous avons en main était beaucoup interprété, était beaucoup traduit. Donc, des langues hébraïques à langue grecque, latin, etc., et jusqu'à arriver en français. Il y a eu beaucoup de problèmes. Revenons à la source. Revenons à la source. Et quand on lit les livres de Romains chapitre 9, à partir du verset 4 à 5, on va lire ensemble pour comprendre quelque chose. Romains 9, versets 4 à 5, je vais lire la parole du Seigneur. Le peuple d'Israël,
Dieu a fait de ses enfants la Shekina, la Shekina, la Sekirna, les a accompagnés. Les alliances sont pour eux, ainsi que les dons de la Torah. Alléluia. Les services du temple, c'est-à-dire les cultes, et les promesses sont à eux. Les patriarches sont à eux. Et deux, provenant d'une descendance selon la chair, est le Messie, c'est-à-dire Mashiach, lui qui est au-dessus de tout. Loué soit Adonai pour toujours. Amen. Vous voyez, tout est à Israël. Et nous nous sommes greffés au milieu d'eux. Si nous voulons adorer Dieu, bien, en esprit, en vérité, comme il a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On adore ce que nous ne connaissons pas. On nous a mis dans le dimanche, on le suit. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Et on le suit. On nous a mis dans Pâques avec S à la fin, toujours dimanche, et on fait ça. On nous a mis dans la fête de 31 décembre. 31 décembre arrive, on organise le veillée de prière. Alors que les fêtes de l'Éternel sont là, où on doit proclamer la bénédiction de Dieu depuis le mois de Nissan, depuis la Pâque jusqu'à Rosh Hashanah. Mais non, on a mis tout cela de côté. Et on a commencé à suivre la tradition des hommes. Israël est la racine. Si nous voulons adorer Dieu en esprit, en vérité, approchons-nous à Israël. Approchons-nous à la Torah. Consultons la Torah. Quels sont les fêtes de l'Éternel, lui qui nous a créés là? Quels sont les fêtes qu'il nous a donné de fêter? Dieu nous aime, c'est à cause de ça qu'il nous a donné les fêtes. Si nous n'avons pas besoin de nous donner les fêtes. Mais un raisonneur va dire, célébrer les fêtes ou pas, je suis sauvé, un point, un trait. Non, tu n'es pas sauvé, s'arrêter là. Il y a les princes, il y a des règles à régler, il y a des règles à respecter pour arriver au salut. Il y a des règles, tu es déjà sauvé, d'accord. Comme quelqu'un a déjà son passeport. Tu as ton passeport, ça ne te donne pas l'accès au voyage. Il faut poursuivre les procédures pour avoir le visa. Maintenant, quand tu as le visa, il faut avoir le billet d'avion pour voyager. Ou bien le billet de car, pour prendre le car, ou bien pour prendre l'avion, ou bien le train, ou bien le métro. Donc, tu as accepté Yeshua, ce n'est pas fini comme ça. C'est pourquoi il a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. C'est des procédures à suivre. Il faut suivre les procédures. Il faut aller étape par étape. Donc, les étapes que nous devons franchir sur la terre, c'est l'obéissance de la Torah et suivre la Torah telle que c'est écrit. En observant le Shabbat de l'Éternel, en leur temps fixé. En observant le fait de l'Éternel en leur temps fixé. Aujourd'hui, je suis en train de parler des fêtes de l'Éternel. Et Yeshua lui-même, notre Seigneur, qui nous a sauvés tous, a respecté ce jour-là, la fête de Sukkot. Vous pouvez lire ça dans le livre de Yohana, chapitre 7. Yohana, chapitre 7, verset 2. Et le verset 14 et le verset 16. Yohana, Jean. On va lire ça. On a le temps. Bien aimé, on va finir tout de suite. Mais lisons ces textes. C'est très important. Pour voir les raisons pour lesquelles nous observons les fêtes de l'Éternel. Le verset 2. Or, la fête de Sukkot. Regardez dans votre version, dans votre Bible. Il est écrit, or, la fête des Juifs. Regardez comment ils ont attribué ça aux Juifs seulement, comme si nous n'étions pas greffés à eux, que nous sommes un peuple à part. Non, 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 nous ne sommes pas un peuple, un nouveau peuple que Dieu a fait. Non, 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 bien-aimé, arrête ça. Nous sommes greffés parmi les Juifs. Nous sommes devenus le peuple de Dieu parmi son peuple. On n'est pas à part. On n'est pas notre Dieu à part, on n'est pas notre Torah à part.
C'est la même Torah que nous devons utiliser. La même Torah que Israël utilise, c'est la même Torah que nous aussi, on doit utiliser. C'est la même Torah que nous devons utiliser. Ils n'ont pas leur fête à part, nous on avons notre fête à part. Non, dans votre Bible, là, ils ont écrit « fête juif », comme si c'est pour eux. Donc nous, notre fête, c'est quoi? Non, dans ma Bible ici, je conseille à tout le monde d'avoir cette Bible. C'est écrit la Bible juive complète. Tu peux payer. Ce n'est pas cher. Tu peux payer. Si tu veux la voir, tu peux me contacter. Je vais donner mon contact après. Alors, donc, il dit ici, or, la fête de Soukot était proche en Yehuda. Ça dit que dans la région de Judée. En Judée. En Yehuda. Amen. On va lire le verset 14. Le verset 14, ce n'est qu'au milieu de la fête que Yeshua monta sur le mont du temple pour commencer à enseigner. Donc, au milieu du temps, au milieu de la fête, c'est-à-dire que entre le premier jour de la fête et le dernier jour de la fête, c'est-à-dire que la fête de Sukkot, ça se célèbre 7 jours ou alors 8 jours. Yeshua s'est levé au milieu des fêtes et il dit quoi? Le verset 16. Yeshua leur donna alors une réponse. L'enseignement que je donne n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, Yeshua donnait l'enseignement. Et l'enseignement qu'il donnait, il dit, ça ne vient pas de lui-même, ça vient de celui qui l'a envoyé. Ça dit que la Torah, ça vient de la Torah. Alléluia. Alléluia. Ça dit que ça vient de la Torah, ça vient de Dieu, du Dieu suprême, l'Elohim. Elohim, c'est la Torah. Elohim, là, c'est la Torah. Et il a amené cette Torah-là vivante. C'est ce qu'on appelle Yeshua. Yeshua HaMashiach, le Sauveur. Amen, amen. Et on va aller loin encore pour dire qu'il a même demandé que celui qui a soif, qu'il vienne pour prendre l'eau gratuitement. Et cela démontre que Yeshua est lui-même la Torah. Pour que nous puissions avoir la vie, il faut qu'on accepte la Torah. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer de fouiller la Bible. Et il a dit encore, dans le livre de Yohana, chapitre 1, verset 1 à 5, et le verset 14, je vais lire Yohana 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui était la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait, a été créé, ne l'a été sans lui. Le verset 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Yeshua est la parole. Et cette parole était avec Elohim. Et cette parole était Elohim. Et tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle, c'est-à-dire sans Yeshua. Amen. Hein? Le verset 5. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas dominée. Donc, la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité n'a pas dominé. On dit qu'il est venu, c'est le sien. Et les saints ne l'ont pas réussi. Ça, c'est la version gréco-romaine. Les saints l'ont reçu. Les juifs ont reçu Yeshua. Matthieu, Tiaou est un juif. Yohana est un juif. Simon est un juif. Les 12 Talmidim de Yeshua, ce sont des juifs qu'il a choisi pour les suivre. Ils ne l'ont pas rejeté. C'est par la peur qu'ils ont livré Yeshua et c'est lui-même qui s'est laissé livrer. Si Yeshua ne s'est pas laissé là, qui peut l'attraper? Qui peut attraper Yeshua pour aller crier à la croix? C'est lui-même qui s'est donné parce que c'est là le chemin pour sauver l'humanité. Alléluia. Restons sérieux. Le verset 14. La parole est devenue un être humain
et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa Sekina. Et nous avons vu sa gloire. La parole a été faite un être humain. Cette parole-là, c'est la Torah. Que Elohim a transformé en être humain. C'est pourquoi l'ange, en parlant à Myriam, il a dit que le Tout-Puissant, l'Esprit le Tout-Puissant viendra sur toi. Et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître en toi sera appelé, il est le Saint-Fils d'Elohim. C'est-à-dire le Kodesh Ben Elohim. Le Saint-Fils d'Elohim. Amen. Et quand Yosef, le fiancé, complétait de répudier sa fiancée dans les secrets, alors l'ange vient vers lui pour dire non, ne répudiez pas cette femme. Parce que la grossesse qu'elle a prise vient d'Elohim. Et l'enfant qui va naître d'elle sera appelé Yeshua et non Jésus. L'ange a parlé hébreu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on va finir pour lire Jean chapitre 15, Johanna 15. Johanna 15, pour vous parler aussi des commandements. Johanna 15, versets 9 à 12. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Je vous ai aimé. Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire vous gardez ma Torah, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé la Torah de mon Père et je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Verset 12. Ceci est mon commandement. Continuez à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Le verset 13, vous allez lire ça à la maison. Alors, bien-aimé, garder le commandement, c'est garder la Torah. Et le commandement, on le trouve aussi dans Shemot, c'est-à-dire que Exode chapitre 20, à partir du verset 1 à 17. C'est le commandement de Dieu que nous devons mettre en pratique. Bien-aimé, je vais finir pour donner cet exemple. Comme papa Lorenzo ou bien papa Jérôme accepte Pasteur Jean-Baptiste comme leur fils dans leur maison. Et Pasteur Jean-Baptiste rentre et on les présente les nourritures que la famille mange. Et puis Pasteur Jean-Baptiste dit, moi, je ne mange pas ça. Moi, voilà ma nourriture que moi, je mange. Et chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Est-ce que la famille sera à l'aise de me garder? Ils vont dire, mais toi, tu deviens compliqué là, ce n'est pas la peine. C'est la même chose que les chrétiens font. Elohim les a ouvert la porte, entrés. Ils sont rentrés et ils veulent maintenant faire leur propre loi, leur propre commandement. C'est ce que Yeshua dit. Que vous mettez de côté le commandement de Dieu et obéir au commandement des hommes. Non. Nous ne devons pas obéir le commandement des hommes, la tradition des hommes. Jamais. Respectons la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Le temps est favorable. C'est moi dit. Le temps est favorable. Faisons le teshuva. Revenons à la maison. Elohim a mis de côté son peuple qu'il a aimé d'avance pour que la majorité des païens soient sauvés. Ce qui ne fait pas de nous de manière méritée. Non, on ne mérite pas, c'est la grâce. Et nous devons prier, tout ce que nous devons faire, c'est de prier pour Israël, pour que Israël soit revenu dans la maison comme nous sommes devenus. Que tu pries pour Israël ou pas, Israël sera sauvé. Lisons cela dans Romains. Romains chapitre 11, à partir du verset 25. Romains 11, 25. Romains 11, verset 25 pour finir. Pour que j'interpelle à mes frères chrétiens, ne vous glorifiez pas. Vous êtes greffés à l'olivier franc. Soyez humbles. Car, frères, je vais vous faire comprendre une vérité que Dieu avait d'abord cachée, mais qu'il a maintenant révélée
afin que vous n'imaginiez pas connaître plus de choses que vous n'en connaissez pas en réalité. Dans une certaine mesure, cet endurcissement est tombé sur Israël jusqu'à ce que le monde païen entre dans sa plénitude. Verset 26. Et de cette manière, tout Israël sera sauvé, comme le déclare le Tanakh, comme le déclare la Bible. Et tout Israël sera sauvé, et que je voulais relever. Et tout Israël sera sauvé. Que tu pries pour Israël, pour sa conversion ou pas, il sera sauvé quand Amashia sera de retour. Mais toi, il n'a pas écrit que et toutes les nations seront sauvées. Il dit, et tout Israël sera sauvé. Et tout Israël sera sauvé, mon frère. Tout Israël sera sauvé, ma sœur. Que tu le veux ou pas. Alléluia. Mais si nous qui sommes les Goïm, on n'est pas humbles pour obéir au commandement de Dieu, pour observer les fêtes de l'Éternel, pour garder les calendriers, ne parlez même pas les calendriers actuellement. Parce que Yeshua, quand il sera de retour, il nous donnera les calendriers authentiques que nous devons suivre. Mais pour le moment, suivons la Torah. Tout est écrit dans la Torah. Le Shabbat est écrit dans la Torah, le Pessah est écrit dans la Torah, Rosh Hashanah est écrit dans la Torah, on appelle ça la fête des terroirs, Rak terroir, ou alors fête de trompette. Et après cela, il y a la fête qu'on appelle dans la Bible gréco-romaine tabernacle, qui s'appelle Sukkot. Et avant de trouver Sukkot, on trouve d'abord Yom Kippour, les jours du grand pardon. Où on pardonne nous, on demande pardon à Dieu et demande pardon aussi à ceux qu'on a offensés pendant toute l'année. Ce sont les temps favorables d'Elohim que nous devons entrer dedans, le temps d'alliance. Après Sukkot, maintenant, il y a deux fêtes qui ne sont pas, comme je l'ai dit avant, qui ne sont pas les fêtes de l'Éternel et qui sont les fêtes de l'alliance. Qu'on appelle aussi le fait de reconnaissance à ce que Elohim a fait pour son peuple. Il y a Hanouka, qui est la fête pour l'allumage de chandeliers qui a été allumé dans le temple qui a été profané par Espiphan, et que les enfants d'Israël se sont levés pour combattre et remporter la victoire. Et quand ils ont trouvé huile d'allumage de chandeliers dans le temple, cette huile ça peut pas durer ça peut pas durer une journée, mais cette lumière a resté allumée pendant 8 jours. Et pendant ces 8 jours, le temps de préparer huile pour alimenter le chandelier. Et c'était un miracle. Donc Israël dit Nargarpo, car il y a eu miracle ici. Nargarpo. Il y a un miracle ici. Alors, ce jour-là, Israël a célébré ça parce que c'est un miracle. Huile qui devrait durer une journée a duré 8 jours. Si ce n'est pas Elohim, qui peut faire ça? Ça n'a jamais été produit dans nos pays, dans nos nations. C'est en Israël, ça s'est passé parmi le peuple d'Israël. Alors, ces fêtes nous concernent. On peut aussi les accompagner. Car Dieu a fait des miracles dans notre vie. La lumière était éteinte en nous. Mais Elohim a rallumé cette lumière par une petite foi qu'on a. Il a allumé cette lumière par le roi Kodesh. Donc le roi Kodesh représente cette lumière. Donc quand ça arrive, on doit aussi observer ce jour qu'on appelle Hanouka pour rendre grâce à Dieu. Car il a fait le miracle dans notre vie. Alléluia. Et après cela, il y a une autre fête encore qui vient dans le mois de Nissan, dans le mois d'Adar. Le 12e mois de l'année, selon la Bible. Ce n'est pas décembre, c'est dans le mois de mars-avril et février-mars. C'est entre février et mars qu'on célèbre cette fête qu'on appelle Purim. Et c'est là qu'on voit les chrétiens décrètent des jeûnes de 3 jours secs parce que Esther a jeûné 3 jours secs. On appelle ça dans le milieu chrétien jeûne d'Esther. Esther n'était pas française, ni babylonienne, elle est juive. Mardoché est un juif. Voilà pourquoi il a refusé de prosterner devant Aman. Donc cette fête, quand ça arrive aussi, nous,
qui avons été greffés à l'olivier franc, qui sont restés greffés à l'olivier franc, nous célébrons cette fête aussi. Parce que l'ennemi s'est levé un jour pour nous détruire la vie, mais Elohim nous a sauvés. L'ennemi s'est levé, Satan s'est levé pour nous détruire, pour ne pas que nous connaissions Elohim, pour que nous disparissions. Mais Elohim nous a sauvés. Pour cela, par Yeshua Mashiach, pour cela, nous devons célébrer cette fête en signe de reconnaissance pour le miracle de guérison, de santé, de vie que Elohim nous a donné. Voilà pourquoi nous, le goyim greffé à l'olivier franc, nous devons célébrer. Parce que nos aînés étaient sauvés par Elohim. Nos aînés, ce qu'on a trouvé sur l'olivier franc, sur lequel nous sommes greffés, ont célébré cette fête parce que c'est eux que l'Éternel a sauvés de manière directe. Donc nous, étant donné qu'on les a trouvés sur l'olivier franc, nous aussi on doit les célébrer. Voici en un mot tout ce que je peux résumer sur le fait de l'Éternel que nous devons célébrer parce que nous faisons partie du peuple d'Israël. Nous faisons partie du peuple d'Israël. Nous n'avons pas remplacé Israël. Nous sommes greffés parmi eux, dans leurs branches, parmi leurs branches, sur leurs propres oliviers. Alors, bien-aimé, sois humble. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble et obéis à la Torah et marche selon la Torah. Qu'Hachem vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Rag Sameya, Sukkot. Shalom. Je suis votre serviteur, pasteur Kofi Jean-Baptiste. Vous pouvez me joindre sur ce numéro 05 45 ou alors 225 05 45 39 21 81. Je reprends 225 05 45 39 21 81. Shalom, qu'Hachem vous bénisse. Shalom, shalom.